Chant Sepharad en terre balkane, c'est la rencontre des monodies judéo-espagnoles des Balkans et des polyphonies bulgares. C'est une rencontre musicale et festive. Il y a des similitudes dans les thèmes, il y a aussi des similitudes dans les modes et dans les rythmes. Il y a beaucoup de rencontres entre ces chants. Le mariage entre la musique séfarade et la musique bulgare est hyper intéressant, et même pour moi, qui connaît moins bien la musique bulgare. Dos amantes tengo la mi mamá, a cual que me tome yo. Les chants séfarades sont féminins, les chants bulgares, pour ce qui concerne les polyphonies aussi. Pourquoi ce projet et pourquoi Balkan? D'une part parce que le chant séfarade c'est un répertoire que je joue depuis assez longtemps, que j'apprécie énormément, de par sa simplicité, de par sa proximité ou son côté très intime on va dire. Et tout l'espace qui peut être donné aux percussions dans ce répertoire est très intéressant. Es muy amargo, es muy amargo el sufrir, mano por esto uno debe morir. Ce mal camo me devo y ce devo, devo y ce le udo. Vencerá lo lisi devo y ce devo, devo y ce le udo. Faire en polyphonie ces chants séfarades des Balkans, on a eu vraiment l'envie de les mélanger avec des chants bulgares. Et ces chants se sont transmis pendant les siècles jusqu'à nous, au même titre que les chants bulgares. Nous, on ne fait que perpétuer une mémoire. Et c'est toute la richesse d'une transmission orale, puisque dans les recherches qu'ont pu être faites, on retrouve des chants qui sont... Enfin, que chacun réclame de sa culture, en fait, et c'est intéressant pour nous aussi de pouvoir mêler tout ça et d'en faire un projet voilà. À part entière. El mi padre me dio a mí campos y viñas. El mi padre me dio a mí campos y viñas. Yo no te tomo a ti pacha ni por tapón de pila. Yo no te tomo a ti pacha ni por tapón de pila. Io non te tomo a ti pascia, ni porta pon de pila. Io non te tomo a ti pascia, ni porta pon de pila. Était très performant. C'est la première fois que j'entendais des chants séfarades et j'en suis très ravie. Magnifique. Excellent, je ne pensais pas trouver des belles voix comme ça. Je reviendrai voir autant que possible ce fait. Parce que vraiment, c'était extraordinaire. Le batteur est unique, j'ai jamais vu un batteur aussi beau et aussi bon. Et puis tout le reste, l'ambiance, tout était impeccable.